Si les Incas occupent une part illustre de l'histoire du Pérou, ils ne furent pas le premier peuple à le dominer. Lorsqu'ils débarquèrent sur la côte nord en 1532, les conquistadors espagnols tombèrent d'abord sur les vestiges d'une ancienne civilisation qui domina l'actuelle région de la Libertad de 100 à 800 après Jésus-Christ, les Moches. C'est ici, dans ce désert aride qui sépare la cordillère des Andes de l'océan Pacifique, que le peuple moche fonda, il y a plus de 1500 ans, son plus important centre religieux au sud de la ville de Trujillo. Baptisé par les Espagnols la Huaca de la Luna et la Huaca del Sol, l'édifice se compose de deux pyramides de 40 mètres de haut où les prêtres et le seigneur effectuaient toutes sortes de cérémonies. La Huaca de la Luna, sorte de pyramide, est entièrement construite avec des millions de briques d'adobe, un matériau à base de terre et d'argile. Elle est la seule à être ouverte au public, celle du soleil n'ayant pas encore été fouillée à ce jour. Sa visite permet de comprendre la technique de construction des pyramides moches. La société moche était divisée en classes et hiérarchisée avec un puissant seigneur à la tête du royaume. Les classes les plus importantes étaient celles des guerriers, des prêtres et des administrateurs. Venaient ensuite les commerçants, les artisans et les bâtisseurs, puis les pêcheurs et les paysans. La Huaca de la Luna fut construite quasiment dès l'apparition de la culture moche et s'était là durant plusieurs siècles jusqu'en l'an 700. De loin, on aperçoit les différents étages qui la composent. Le temple se renouvelait suivant un calendrier cérémoniel précis et un étage venait s'ajouter à la structure, enterrant ainsi l'étage inférieur. Les degrés de la pyramide s'empilaient ainsi les uns au-dessus des autres sur une très longue période. La Huaca de la Luna était le centre du pouvoir moche. Leur dieu se nommait Ai Apaek, le créateur mais aussi le décapiteur, que l'on trouve représenté sur de nombreuses céramiques et fresques des temples. Il prend souvent la forme d'une araignée, d'une créature ailée ou d'un monstre marin. La Huaca était ainsi le site de nombreuses offrandes aux dieux, de sacrifices d'animaux et même de sacrifices humains. En découvrant l'édifice resté quasiment intact au fil des siècles, les Espagnols n'hésitèrent pas à le transpercer au centre dans l'espoir d'y découvrir un trésor, en vain. Car c'est une autre découverte qui surgira bien des siècles plus tard, des pyramides moches. En 1987, à la Huacarajada, près du village de Sipan, dans la région de Lambayeque, eut lieu la plus importante découverte du Pérou depuis le Machu Picchu. L'archéologue Walter Alva et son équipe mettent à jour la tombe d'un haut dirigeant moche dénommé Seigneur de Sipan, qui régna au cours du 3e siècle après Jésus-Christ et décéda à l'âge d'environ 40 ans, en l'an 404. Entouré de deux hommes, deux femmes et un chien, la tombe contient des bijoux et des ornements massifs en or, en bronze et en cuivre. Ce trésor d'une valeur inestimable est resté inviolé pendant 1500 ans, sous les pieds des conquistadors et des pilleurs de tombes. Pour honorer cette découverte historique, un musée a spécialement été construit, le musée Tumbas Reales de Sipan, situé à Lambayeque. Inspiré des anciennes pyramides de la culture moche, le musée est un véritable mausolée de trois étages où les objets sont magnifiquement mis en valeur. Plus en profondeur, la tombe renfermait aussi celle du vieux seigneur de Sipan, qui appartenait à la même famille et qui régna antérieurement, mais dont les restes sont mieux conservés. Au total, 4 tombes ont été fouillées et de nombreuses autres restent encore en place. Cette découverte a aussi remis en cause de nombreuses idées concernant les moches, notamment sur le rôle de leurs dirigeants dans la société,
qui était bien plus important qu'on ne le croyait auparavant. Loin d'être un simple chef de tribu, le seigneur Moche était un véritable souverain, prémisse au statut des Incas. Mais les archéologues n'étaient pas au bout de leur surprise. Bien des années plus tard, ils allaient mettre à jour une autre tombe, encore plus inattendue. Au bord de la mer, à environ 70 km au nord de Trujillo, se trouve une étrange colline. Sa silhouette, trop régulière pour être naturelle, n'est autre qu'une ancienne pyramide Moche. Construite vers l'an 300, certains l'appellent El Brujo, qui signifie « le sorcier », en raison du rassemblement épisodique de sorciers et de chamans qui y firent des processions. En 2004, les archéologues y font une découverte impressionnante. Au centre de la pyramide, ils découvrent plusieurs tombes, dont celle d'une jeune femme âgée d'environ 25 ans. Son corps, tatoué, était recouvert de plaques dorées et fut retrouvé ici même, enseveli, à côté de sa suite et probablement des membres de sa famille. Mais que faisait-elle ici? Surnommée la Dame de Chaos, sa découverte bouscula les idées reçues sur le rôle des femmes dans les sociétés précolombiennes au Pérou. Car si les chercheurs s'accordaient pour dire que des femmes gouverneurs ont pu diriger des communautés côtières au nord de l'actuel Lima jusqu'en Équateur, la Dame de Chaos semble avoir été bien plus qu'une chef religieuse, mais aussi la dirigeante de tout un peuple. Habíamos encontrado a la mujer mochica en la iconografía, trazada en la cerámica, participando en actividades ceremoniales, en actividades rituales a nivel de un sacerdocio. Pero ahora estamos convencidos de que también ha ejercido el poder político. Esto no es nuevo, ya que la llegada de los primeros españoles, ¿no? Ellos pudieron registrar que habían sociedades en el norte del Perú, como los tayanes, donde las mujeres eran las que tenían el control y gobernaban ampliamente sobre los hombres. Une femme gouvernant les hommes sur un royaume du Pérou. Un concept qu'aucune civilisation précolombienne n'est venue relayer. Les experts précisent que cette femme aurait appartenu à l'élite et qu'il s'agissait peut-être d'une reine. Pour preuve, sa dépouille a été retrouvée avec des bijoux en or, ainsi que des sceptres et des lances-flèches. Quand les archéologues sont parvenus à l'exhumer, son corps était recouvert d'un énorme linceul constitué de plusieurs centaines de mètres de coton et de tissu, décoré avec de grandes broderies. Ils se sont alors aperçus que sa peau était quasiment intacte. Des cicatrices osseuses prouvaient qu'elle avait accouché au moins une fois. Le corps de la Dame de Chaos est aujourd'hui exposé dans le musée construit en 2008 pour présenter les pièces de la pyramide. À l'instar de la Huaca de la Lune près de Trujillo, la pyramide était composée de plusieurs niveaux de construction, datant chacun d'une époque différente. Des fresques colorées ornaient chaque étage de la façade, représentant les araignées et des poissons. Mais aussi une figure que l'on retrouve dans toutes les cités moches et qui est devenue le symbole de cette civilisation. Ce visage, dont les cheveux bouclés évoquent des vagues, montre à quel point le peuple moche était lié à la mer. Une mer généreuse qui permit au peuple moche de se nourrir et de bâtir sa culture, jusqu'à l'événement d'une autre civilisation, les Chimous. À Tucumé, environ 30 km au nord de Chiclayo, se dresse l'un des derniers sites archéologiques découverts au Pérou. Cette vallée, constituée de 26 pyramides érodées par le vent et le temps, fut la plus grande cité sicane de 700 à 1370 après Jésus-Christ. Elle fut plus tard conquise par un autre peuple, les Chimous, auxquels succéderont finalement les Incas. La Huaca Larga, pleine d'esplanades cérémoniales, n'est autre que la plus vaste construction en adobe d'Amérique du Sud. On y a trouvé la tombe d'un homme de haut rang, enterré lui aussi avec sa famille et ses serviteurs. Les fouilles dans la vallée des pyramides n'ont débuté qu'au début des années 90. Elles se poursuivent sans relâche, car avec ses 220 hectares, le complexe est immense. L'archéologue Pablo Carlos de la Cruz, qui débuta sa carrière ici, n'en finit pas d'arpenter les esplanades pour restaurer les vestiges, et peut-être découvrir un secret bien gardé. Les Chimous restent à ce jour l'un des peuples les plus mystérieux du Pérou, car pour l'heure, l'essentiel de leur culture n'est connu qu'à travers une gigantesque cité, Chanchan. Construite entièrement en argile au bord de l'océan, Chanchan n'a pas eu besoin d'être découverte. Ses vestiges immenses qui s'étendent sur 14 km sont connus des habitants depuis des siècles. Ancienne capitale du peuple Chimous, elle comprenait 9 citadelles où régnèrent les rois. C'est la plus grande ville en adobe précolombienne des Amériques.
La visite de Shan Shan se limite à la citadelle de Chudi. On remarque tout d'abord l'étroitesse de l'entrée, qui permettait de mieux contrôler les allées et venues. On accède ensuite à la grande place des cérémonies et des sacrifices. Tout autour, une frise ornementale restaurée représentant des vagues et des loutres de mer qui, quand elles étaient présentes sur les plages, annonçaient la période de la pêche. Quelques dizaines de mètres et le visiteur découvre le passage des oiseaux et des poissons formés par le mur extérieur de la place. Sur celui-ci sont dessinés des pélicans, puis des lignes représentant les marées avec des poissons, de manière répétitive, entièrement restaurée sur 60 mètres. Plus loin se trouve la salle des audiences, où se décidaient l'échange et la répartition des richesses produites. Autour du petit temple, les représentations géométriques de pélicans avec à la place des yeux une croix. C'est la croix du sud, qui à l'instar de l'étoile polaire dans l'hémisphère nord, servait de repère pour les pêcheurs. Plus loin se trouve un mystérieux étang qui servait de réservoir aux habitants, mais aussi de lieu de sacrifice. Tous les 28 jours, quand la pleine lune se reflétait à la surface, on sacrifiait des animaux car l'on croyait que la lune de passage sur Terre était une déesse. Enfin, on visite la tombe royale où gît le gouverneur de la citadelle Chudi qui régna de 1360 à 1420. La civilisation Shimu qui succéda à celle des Moches connut alors son apogée entre le XIIe et le XVe siècle. Mais l'on sait peu de choses sur cette civilisation qui ignorait l'écriture. En revanche, on connaît mieux sa chute due à la conquête des Incas à la fin du XVe siècle. Chan Chan dut subir un long siège des Incas durant 10 ans. Selon Nancy Guerrero, qui travaille sur Chan Chan, les Incas ont dominé la culture Chimú sans pour autant la détruire. No utilizaría el término destruir porque los Incas no destruyeron pueblos. Parte de la expansión cultural fue integrar a grupos por la vía pacífica y bueno, a otros integrarlos quizás por la fuerza. Crear un amedrentamiento pero no destruir, porque ellos tratan de tomar los aportes de los diferentes pueblos a su desarrollo cultural y cada vez volverlo más complejo. Si bien es cierto, aplicaron de cierta manera la fuerza con la población Chimú, pero vemos que a lo largo del desarrollo inca, ellos van a ir tomando los aportes de los diferentes pueblos. Bueno, definitivamente la religión es un motivo de luchas, de conquistas. Les Moches, les Sicanes et les Chimous partagèrent la domination du Pérou avec les Incas jusqu'au XVe siècle. Ces derniers occupèrent bientôt tout le pays durant près d'un siècle, avant qu'une autre civilisation vienne les détruire à leur tour, sans se soucier d'intégration culturelle.